الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه أما بعد عباد الله الله عز وجل dans le Coran nous dit qu'il a créé la mort et la vie afin de nous mettre à l'épreuve, afin de nous éprouver, de nous mettre à l'épreuve. Lequel d'entre nous va agir de la meilleure des façons? Donc le Coran nous donne une image claire que la vie et la mort sont liées. C'est que cette vie, elle est comptée. Donc il nous rappelle que la vie, elle n'est pas limitée. Il y a la vie et la mort. Pour qu'on garde à l'esprit, pendant qu'on vit, qu'il y a la mort. Que la mort est liée à la vie, et la vie est liée à la mort. Et donc, jusqu'à la mort, qu'est-ce que le but de cette vie? C'est une épreuve. Et c'est qui le maître? Celui qui décide les épreuves. Celui qui m'éprouve. C'est Allah Azza wa Jal seul. Il n'a pas donné ce pouvoir à ceux qui vivent avec toi sur terre. Il reste maître des épreuves. Mais après, il nous dit, tout ce qui arrive, c'est une épreuve. Et c'est lui qui t'éprouve, seul. Et c'est ça, le tawhid. De ne voir dans ce qui arrive, dans les jours qu'Allah nous donne, ce que contiennent chaque journée de notre vie, de ne voir que la volonté d'Allah, Azza wa Jal. Tawhid, c'est de ne voir personne d'autre que Dieu. Qu'il t'arrive quelque chose de bien ou quelque chose de mal, c'est Allah Azza wa Jal le maître. Il nous dit, « وَنَبْلُوكُمْ » C'est moi qui vous mets à l'épreuve. Avec quoi ?« بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ » Quand il t'arrive quelque chose de mal, c'est moi qui te mets à l'épreuve. Et quand il t'arrive quelque chose de bien, c'est moi qui te mets à l'épreuve. Allah Azza wa Jal, il s'attribue cela. Et quand il t'arrive quelque chose de par quelqu'un, c'est aussi Allah Azza wa Jal. « وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً » Tu es une épreuve pour les autres et les autres sont une épreuve pour toi. وَكَانَ أَتَصْبِرُونَ Allez-vous endurer cette épreuve? Allez-vous patienter et endurer cette épreuve qui est la vie? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Et ton Seigneur t'observe. Et là, on s'arrête sur ton Seigneur t'observe. C'est qu'Allah, il t'observe toujours dans les deux situations. Quand il te donne un bienfait, il t'observe. Est-ce que tu vas être reconnaissant envers ce bienfait? Est-ce que tu vas te l'attribuer? Ou l'attribuer à quelqu'un? Ou l'attribuer à Allah Azza wa Jal? Et Allah il nous raconte l'histoire de Suleyman alayhi salam. Allah lui a donné la prophétie. Allah lui a donné la royauté. Il lui a donné un royaume qu'il n'a donné à personne d'autre que lui. Il a mis à sa disposition la création. Les êtres humains, les djinns, le vent, toutes choses étaient à son service. Et quand Allah lui a donné tout ça, il a dit quoi? هذا من فضل ربي. C'est grâce à mon Seigneur. Tout ce qui m'a été donné, tous ces bienfaits, c'est grâce à mon Seigneur. À la différence de Qarun, que quand il a eu le pouvoir et la richesse, il a dit, il se l'est attribué. Il a dit, innama utituhu ala ilmin indi. C'est grâce à ma connaissance, c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à mes compétences, c'est grâce à mon talent. Il s'est attribué sa réussite. Alors que Suleyman alayhi salam, il s'est pas attribué ce qu'il avait. Il a dit, ça c'est grâce à Dieu. Rien ne m'appartient. Tout cela appartient à Dieu. Et il m'a donné tout ça afin de m'éprouver, de me mettre à l'épreuve. Ashkuru am akfur. Ashkuru. Est-ce que je vais être reconnaissant? C'est-à-dire, je vais reconnaître que tout cela lui appartient, que je lui appartiens, et que je vais utiliser ce que lui appartient comme il veut lui. Am akfur. Ou je vais être ingrat. Déjà, être ingrat de m'attribuer tout cela, de ne pas l'attribuer à Allah, de me l'attribuer. Et être ingrat de l'utiliser comme je veux moi et pas comme il le veut lui. Et après, ça c'est dans le bien. Donc dans les bienfaits, c'est une épreuve. Allah il veut voir est-ce qu'on va être reconnaissant, est-ce que tout cela on va lui attribuer. On va se rappeler que c'est un bien, c'est à lui, tout lui appartient.
Tout ce qu'on a, c'est grâce à lui. Tout ce qu'on a n'appartient qu'à lui seul. Tawhid, l'unicité. Et quand il arrive le mal, pareil. C'est Allah qui me met à l'épreuve. Alors il a dit, je vais très certainement vous éprouver avec un peu de peur. C'est-à-dire, je vais vous exposer à quelqu'un qui va peut-être vous menacer. Et vous allez avoir peur. Pourquoi cette épreuve? Et je vais vous exposer à la faim. Pourquoi cette épreuve? Je vais vous exposer à la maladie. Pourquoi cette épreuve? Je vais vous exposer à la mort. Je vais vous exposer à une perte d'abondance dans vos récoltes. Pourquoi cette épreuve? Alors il dit, c'est moi, je vais vous mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, est-ce que, dans toute situation, vous allez me voir? Je vous mets à l'épreuve, c'est-à-dire, est-ce que cette chose peut m'effacer de votre regard et vous lui attribuer la capacité de vous atteindre ou la capacité de vous ôter la vie ou la capacité de vous nourrir ou la capacité de vous guérir? Il éprouve notre foi, notre unicité. Est-ce qu'on va, par ces différentes épreuves, est-ce qu'une va réussir à nous faire oublier que c'est Allah seul qui décide ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que cette chose, des fois tu as réussi à la maladie, tu danses, c'est Allah. Tu as réussi sur ta subsistance quand elle était un peu restreinte. Tu as dit non, c'est Allah qui donne. Mais tout d'un coup, tu n'as pas réussi le test quand c'était quelque chose que tu craignais. Et là, tu as oublié Allah. Et tu as attribué à cette chose la capacité de t'atteindre. Et là, tu as perdu ton tawhid. Alors que l'unicité, c'est de voir toute ta vie Allah maître de tout. C'est moi qui vous mets à l'épreuve. C'est moi qui me mets à l'épreuve. Donc, dans l'épreuve, Allah Azzawajal, il veut te voir quand il te donne un bienfait. Shakiran, reconnaissant, et dans l'autre, il veut te voir sabiran, endurant. Endurant. Et là, tu as réussi le test. Obeshiri sabirin, et bonne nouvelle à ceux qui vont endurer cette maladie, ce décès. Quelle que soit la chose. Bonne nouvelle à ceux qui endurent. Et lorsque cette épreuve les frappe, ils disent, on appartient à Allah. Cette chose, elle appartient à Allah. Et moi, j'appartiens à Allah. Toute chose appartient à Allah. Et toute chose reviendra vers lui. Et là, ils ont réussi l'épreuve. Bonne nouvelle à ceux qui ont réussi cette épreuve, c'est-à-dire de voir que c'est Allah, Azza wa Jal, qui est maître de tout, et toutes ces choses n'appartiennent qu'à lui, et nous-mêmes appartenons à lui. Pour résumer ce qui a été dit, et on est autour d'un sujet très vaste quand on parle de la mise à l'épreuve. Quand on parle de la mise à l'épreuve, tout le monde se sent concerné. Personne ne peut dire dans quoi. Tout le monde se retrouve dans le sujet. Parce que tant qu'on est dans le dunya, on est dans cette épreuve. Allah Azza wa Jal, il nous dit, pensez-vous que vous allez être laissé de côté après avoir dit « j'ai la foi » sans que cette foi soit mise à l'épreuve. Tous ceux qui sont avant vous, c'est-à-dire c'est la tradition de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité, nous avons mis à l'épreuve ceux qui étaient avant vous pour voir qui est véridique et qu'il ne l'est pas dans ce qu'il dit face à cette épreuve. C'est la foi qui est mise à l'épreuve. C'est notre foi qui est mise à l'épreuve. Alors là, il veut dire, voir qui est véridique dans sa foi et qui a une foi mensongère. Ça veut dire, dès qu'il y a une chose, il oublie que ça vient de Dieu. Il oublie Dieu. Et il oublie que c'est Dieu qui domine toute chose. C'est Dieu, le dominateur, qui décide toute chose. Et Dieu reste maître de ta vie. Et il l'a donné le pouvoir à personne de te donner ou de te ôter la vie ou de t'atteindre par un mal qu'il n'a pas décidé ou te donner quelque chose qu'il n'a pas voulu te donner. Dieu n'a pas d'associé dans son royaume. Il veut juste voir, est-ce que toi, tu le vois, quelle que soit l'épreuve. C'est pour ça que le Coran nous rappelle cela. Par contre, il nous dit aussi, mais il y en a qui adorent Allah Azza wa Jalla avec une condition. Si tout va bien. Il y a ceux qui adorent Allah à une condition. C'est qu'ils ne lui donnent que des bonnes choses. Moi, je vais être en bonne santé. Je vais être riche.
Je veux toujours être en paix. Je veux que personne me menace. Voilà, c'est ce que je souhaite de la vie. Après, je serai reconnaissant envers toi. Si Allah lui donne que du bien, Allah, moi je crois en Allah, il dit du bien d'Allah, hein, il fait des louanges à Allah. Mais dès qu'il est éprouvé par Allah, il commence à avoir des mauvaises images d'Allah. Il commence à accuser Allah. Il commence à questionner Allah. Pourquoi Allah il fait ça? Moi je suis quelqu'un de bien. Pourquoi Allah il m'a fait ça? Moi je suis quelqu'un, j'ai un cœur pur. Moi je suis quelqu'un, demande à tout le monde, je fais que du bien. Allah il te connaît mieux que tout le monde. Pourquoi tu réagis comme ça face au destin d'Allah? Le destin c'est la volonté d'Allah. Après tu commences à poser ce type de questions. Et dès que tu rentres dans le pourquoi, tu accuses Allah. Quoi? Du coup cette épreuve devait arriver à quelqu'un d'autre que toi. Allah il est injuste de t'avoir touché toi, de t'avoir éprouvé toi, que tu ne méritais pas tout cela. Allah il a dit, khasira ad-dunya wal akhirah. Celui qui questionne ce qui lui arrive en ayant cette image que pourquoi moi j'ai été touché par cela, inqalaba ala wajhi. Khasira ad-dunya wal akhirah. Il a remis en cause toute sa foi et il a perdu la vie ici-bas, la vie de l'au-delà. Et c'est une perte évidente. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas dit que si tu es croyant, je te promets le tapis rouge et avec des pétales de rose. C'est ça, avoir la foi. C'est pas marqué, c'est jamais dit. Le prophète Hassan m'a dit, les plus éprouvés par Allah, ce sont les prophètes. Et eux, Allah Azza wa Jalla nous dit, pensez-vous rentrer au paradis sans être touché par ce qui a touché ceux qui étaient avant vous? Ils ont été touchés par la faim. Ils ont été touchés par la maladie. Ils ont été éprouvés par l'ennemi. Jusqu'à que le prophète et leurs disciples en attente disaient, quand l'aide de Dieu va-t-elle intervenir? Et Dieu leur répondait, sa promesse, l'aide d'Allah arrive. Elle arrive. Elle est proche. Mais c'était quoi? Une mise à l'épreuve. Et donc Allah a dit, pensez-vous qu'à votre tour, vous allez dire je suis croyant et que vous allez finir par rentrer au paradis sans avoir réussi l'épreuve de dunya? Parce que pour aller au paradis, il faut réussir l'épreuve. Et l'épreuve, c'est quoi? C'est quand tu reçois un bienfait, tu dois être reconnaissant. Et quand c'est quelque chose de désagréable, quelque chose qui t'atteint, quelque chose que tu ne souhaites pas, eh ben tu sais que Allah, il veut observer, il t'observe. Allah, il veut voir est-ce que tu vas endurer avec patience. Allah, il veut observer est-ce que tu ne vas pas trahir ta foi. C'est ta foi qui est mise à l'épreuve. Est-ce que tu vas trahir ta foi? Est-ce que tu vas dire ce qui déplaît à Dieu et tu vas commencer à dire pourquoi? Est-ce que tu vas faire quelque chose qui déplaît à Dieu parce que tu es en colère que cette épreuve t'ait touché? Et c'est ça le sujet sur lequel on doit calquer chaque événement dans chaque journée. Tous les jours, il nous arrive des choses agréables, il faut être reconnaissant. Et quand il nous arrive quelque chose qui nous fait du mal, qui est désagréable, il faut aussi observer Allah. Dans les deux cas, il ne faut voir que Allah Azza wa Jal. Cette tawhid, c'est ne voir que Dieu, c'est Dieu qui m'éprouve. Dans celle-là, pour voir est-ce que je vais être reconnaissant, et dans celle-là, est-ce que je vais être patient et endurant.